Salut mes petits aliens, mes petits extraterrestres, Les petits ovnis. mes petits ovnis. Moi, quand je parle d'ovnis, puis d'aliens, puis d'extraterrestres, ça me fait penser à ISS. ISS, hein? On sait tous c'est quoi. C'est la grosse patente, hein? La grosse bébelle, là. Gros comme un terrain de football ou deux, trois, là. Qui vole au-dessus de notre tête. Avec des petits astronautes dedans. Là, il y a une petite vidéo, ça. Le gars, l'astronaute, avec sa GoPro, il se filme en train de réparer quelque chose. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Là, on voit la courbure de la Terre, hein? On va la regarder travailler un petit peu, monsieur. Hein? On le voit, là. On le voit, là. On voit la courbure. On va voir l'autre bord. Donc, on va voir l'autre bord. On va voir l'autre bord. Là, il est pogné que son crochet. C'est sûr, il ne faut pas qu'il tombe. Alors. Donc là, ça, c'est ça. Il met un crochet. Et l'astraliche. Qu'on L'astralif. croit. Oui. Ça ici, selon la forme, c'est sûrement l'Australie. Hein? Ça sent le kangourou, ça. Kangourou. Fait que là, la question que je me pose, à savoir, avoir l'Australie au complet, mais à quelle altitude sont-ils, ces cosmonautes? Novato en ovnis. Doit être quand même haut en ovnis. Là, j'étais sur Wiki, MyFriendpedia. J'ai demandé, Wiki, quelle altitude ISS Is. était donc en altitude? Il me l'a dit. Parce qu'on va être haut quand même là, Ben, pour voir tout pour voir la ça. courbure. Hein? Fait que sur Wikipédia, l'altitude comprise théoriquement entre 370 km et 460 km. Donc, c'est entre 370 et 460 km d'altitude que cette grosse patente de ISIS, SS, Is. tourne autour de cette de notre planète. Là, je me suis dit, ben, coudonc. Je me suis dit, ben, coudonc mes pantalons. Fait que là, je me suis dit, bon, ça se peut, à 400 km dans les airs qu'on voit l'Australie et toute la courbure des deux bords. Je connais pas trop ça. Fait que j'ai dit, on va aller voir mon grand chum, Google Earth Pro. Il est pro. Ça, Pro, Google Earth Pro, c'est fait par La US Navy. US Navy. Ça doit être bon. Allô? Fait que là, je l'ai mis, comme dans la vidéo, à l'Australie, selon ce que Ce qu'on croit l'astronaute être. voit Ouais. et selon l'hauteur, à l'hauteur, à l'altitude qui est. Fait que ça donne ça à peu près. Hein? Tu vois la courbure des deux bords? Pas au complet, mais t'as avoué. Bon, c'est ça, comme ça. Là, là tu vois l'Australie. Mais j'imagine que c'est l'Australie. Là, c'est sûr qu'il y a une GoPro. Hein? On dit qu'il y a des ronds, chaque bord, là, Le ça fisheye, fait puis faille, puis fish and chip. Fait que là, le hic, l'erreur ou le questionnement que je me pose, c'est que sur Google Earth, il y a l'altitude. Tu peux approcher, puis reculer. Fait que moi, je l'ai mis comme qu'on le voit dans la vidéo. Là, je me suis dit, on doit être pas loin de 400 km dans les airs. On va voir à combien de kilomètres que je suis présentement sur Google Earth Pro, Navy, US, tout. Pour voir le même résultat. Ça sent le 5671,18 km d'altitude. Mais 400 km, on ne doit pas voir grand-chose. Il y a comme 5 200 km de plus. Donc, ce que la NASA nous représente, à la hauteur qui est supposée d'être, que la station orbitale ISS est supposée d'être, Ici. ça nous donne ça? Mais non, ça ne marche pas. On n'est pas à 400 km dans les airs. Ah non, on est à 5000. 5671. Fait que là, on va se rapprocher à la hauteur
que la station orbitale est réellement? On va y aller aux alentours de 460-470. Je vais l'avancer là. OK, on y va? Ouais. 3000, 2000, 1900, 600. Ah, 496, à peu près, mettons. OK, 400, comme ça. Ouais. C'est ça qu'on serait supposément, supposé de voir. Ouais. Ça ressemble pas aux vidéos. Ça ressemble pas aux vidéos. Hein? Regarde, il voit tout le rond. Regarde. L'Australie est loin, là. Fait que... La question que je me pose... Soit... Que Google Earth est pas bon. Même si c'est US Navy Pro. Google Earth Pro. Mais en gros, c'est vraiment... La hauteur... Que si tu recules... Et là, on a 496, ouais. Supposément à la hauteur de, la... Ouais, de l'altitude. Là. L'altitude? OK. Non. On est rendu à 2000. 2200, 3300. Là, ça aurait peut-être... 5000, à peu près de même. Comme ça. C'est pas aux alentours de 5000 km de d'altitude. Fait que l'erreur, c'est quoi? Ben, soit que la station orbitale, la NASA, c'est pas que l'auteur qui sont. Ou soit que Google Earth, leurs altitudes sont pas bonnes. Ou que la Terre est plus petite qu'ils disent. Ou peut-être que la Terre est plus petite qu'ils disent. Ou peut-être que... Peut-être. Qui sait? Qui sait? La poule ou l'enveloppe? Elle ne sait pas. Donc, je vais mettre le lien Google Earth. Faites le test. Je vais mettre la vidéo. Mm-hmm. Puis, aller à 400 km d'altitude, ça ne donne pas ça. On y retourne à 400 km d'altitude? On retourne. Je suis en train de tomber là. Ah! Remonte un peu. Comme ça. Bon, ah, t'es à 550, là. 413. Bon, c'est ça que ça donne. Ah. Je serais supposé donner ça comme résultat. Mais c'est pas qu'est-ce que la GoPro nous démontre. Allez, pour finir, je voulais dire un gros merci aux gardiens de la rue. Parce que pour faire une histoire courte, j'ai une dame qui me suit dans mes vidéos. Ça fait 3 ans à peu près. 3, 4. Elle a environ 60 ans. Début 60 ans. Début 60 ans. Puis avant les. Aux fêtes. Avant ouais, les pendant fêtes, les fêtes. Elle est sur. Sur un rente invalidité, ouais. Elle fait de l'arthrose. Pourquoi, là, plein d'affaires? Sclérose en plaques, puis maladie du Crohn. Moi, ça va pas bien. Mais en gros, elle était magasinée. Elle avait tout mis son argent de ses rentes dans son portefeuille. Elle a perdu son portefeuille. Elle n'avait plus un sou depuis les fêtes. Mm-hmm. Puis là, la prochaine paye, je pense, c'est... C'est au début du mois de février. Quand on est parlé en privé, je dis, oh, on peut faire quelque chose. Mais moi, je connaissais Mathieu Labrosse. Là, je savais qu'il donnait de la nourriture aux itinérants. Là, non, non. Il me dit, ben oui, il y a une équipe, lui, tout ça. Oui. C'est vraiment débile. Oui, l'équipe gros, des gardiens. En demandé, mais tu as demandé tantôt, oui. À quelle heure, vers midi, 1 heure, 2 heures? En heures? Après-midi, oui. En après-midi, vers 3 heures à peu près, là. À 7 heures. Ils ont apporté... Ils ont rempli le garde-manger, là. C'est... Je l'ai bien plein, congélateur, garde-manger. Et bonne jusqu'à la prochaine paie. Oui. Fait que je voulais dire un gros merci à Mathieu. Les gardiens de la rue. Puis aux 3 personnes qui sont allées faire la livraison aussi. Qui ont été porter de la nourriture. Ils ont parti de Saint-Jérôme, puis ils ont été jusqu'à Joliette. Oui. Je voulais faire une parenthèse, parce que ça en vaut la chandelle. Et merci beaucoup, Mathieu. Merci... toute la belle gang, là, je sais pas. On va pouvoir manger. Parce qu'il restait quoi, là? Je pense à la moitié d'un 10 livres de patates. Ah, je sais même pas s'il restait la moitié d'un 10 livres. Je sais qu'en 2 jours, elle avait mangé une canne de poids. Une canne de poids. Donc là, elle est tout contente. Ça a rendu... une dame très, très, très heureuse. Et voilà. Sur ça, Isis. La question est, mais quelle est vraiment l'altitude de Isis? C'est pas où est l'OVNIS. Chercher l'OVNIS. C'est à la vista.